pré combattants qui me suivent marché. Et c'est parti pour ce deuxième round, mais peut-être dernier. Je rappelle ainsi les Grimani-Vitesse et les Vassaux de Provence qui l'emportent. Et bien, c'est ça, une victoire de cette coalition d'équipes qui, je le rappelle, sont des équipes amies. Ça très fort avec Armadona du côté là de notre loup de la compagnie de les Lyonnais. Voilà, c'est très déséquilibré, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de passage au sol. Du côté des autres, 1 contre 1 sur la partie est. Ça va toujours penser, je rappelle quand même un jeu de soumettre. Oh, très très violente mise au sol pour le loup lyonnais ici. Avec une attaque également, une attaque suicide du côté du Grimani. Il a fini, mais 2 contre 1. Ça va, forcément, voyons, c'est parti au sol du côté de notre Graouli. Ça, c'est une hécatombe. C'est tombé un petit peu partout comme des mouches. Et les Grimani Vitesse sont toujours à 4. Hein, du côté du Grimani Vitesse, les Vassaux de Provence. Je crois qu'il y a 2 Vassaux de Provence, 3 Vassaux de Provence de groupe. Forcément, alors on n'est pas en supériorité nette numérique, donc on continue de combattre, mais je ne vous cache pas que ça commence à être compliqué. Moi, je vais enculer sa mère. On dit stop du côté du Marshall.